Et on doit l'inventer donc from scratch, de A à Z, à l'envers, s'il le faut. Et alors, qu'est-ce qu'on doit mettre là-dedans? La responsabilité. Prenons nos responsabilités et essayons donc de nous unir, travaillons ensemble. Ça, c'est notre motto. Et aussi, prenons le contrôle de ce que nous faisons, c'est-à-dire faisons-le avec la plus grande responsabilité possible, quoi, en fait. Bon, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et en même temps, j'aimerais, avant de faire ce webinaire, encourager tous les fondateurs d'aller dans leur back-office. Là, il y a de l'information de première main. Ce que moi, je dis, c'est ma compréhension des choses. En ayant aussi consulté le back-office, je le fais deux fois, au moins deux fois par jour. Je vous encourage, si vous pouvez le faire, faites-le, pourquoi pas plus. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit phare. Et ce produit-là, vous allez voir, il va changer énormément notre quotidien. Parce qu'il va révolutionner d'ailleurs le monde du marketing digital. Ceux qui sont dans le marketing, ils le savent. Et il nous permettra donc de pouvoir construire une marque. Et où, si c'est un passif qui le fait, on va nous construire une marque. Et là, nous allons voir comment Outracker va nous aider à créer un marché réel, un marché qui va nous générer des revenus. Et c'est très important parce que, croyez-le ou non, au départ, quand moi, je suis rentré dans un passif et on parlait de la génération des revenus résiduels, je me demandais, mais comment c'est fait? Après, j'ai compris qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le trafic ciblé, targeted, trafic, donc en anglais. Targeted traffic, ça veut dire les clients, donc ils sont ciblés. Maintenant, je comprends que avec un outil comme ça va nous permettre donc de pouvoir le réaliser. Ouais, au fur et à mesure qu'on avance, nous tous, on apprend à comprendre. Et donc, grâce à Outracker, vous allez voir, on pourra vraiment cibler les clients, nos clients, pouvoir les géolocaliser, pouvoir savoir qui vient sur notre site. Parce que nous savons que chacun de nos fondateurs, chacun d'entre nous aura un site qui est créé à son nom. Et donc, pour ce site-là, pour les clients, ce sera fait par exemple, Outracker qui va cibler le trafic dessus. C'est tout ça là qu'on va partager. À la fin, donc, vous allez mieux comprendre Outracker. Ça vous permettra alors maintenant de pouvoir aussi mieux comprendre demain quand il est lancé, comment il va agir pour nous. Vous pouvez alors aller vous-même chercher davantage d'informations. Je me permets maintenant de partager mon écran avec vous pour qu'on parle de Outracker, n'est-ce pas? Alors, je pense que inutile de me présenter, surtout pour ceux qui ne sont pas fondateurs, peut-être qu'ils me découvrent pour la première fois. Évidemment, je m'appelle Orphée Adam, je suis ici en France et depuis une trentaine d'années, je travaille dans l'informatique, l'automatisation des processus métiers et je suis formé dans le même domaine. Et donc, j'ai découvert l'opportunité en passive il y a un peu plus d'un an et depuis lors, ben, je me fais vraiment le plaisir de partager ce que j'ai compris aussi de cette opportunité-là. Et en l'occurrence, les produits. Il y a un des produits phares qui est Outracker, donc j'ai aussi découvert. Et je sais, vous allez voir, il y a d'autres produits sur le marché, mais aucun autre produit n'est aussi complet que Outracker. Outracker participe à cette vision générale, donc de on passe de pouvoir simplifier la complexité des besoins d'une entreprise avec donc les services de l'intelligence artificielle et de l'automatisation qui va avec le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Et Outracker lui-même va vous permettre et à la portée donc demain de tout le monde et de tout public d'ailleurs de pouvoir vous connecter avec les bons clients et de pouvoir les traquer de façon automatique et de façon consistante, cohérente et bénéfique. Ça améliorera surtout dans les services marketing. Ça améliorera aussi la façon dont on fait le marketing digital. Et
En même temps que ça le fait, il faut savoir que tous ces outils-là viennent avec l'intelligence artificielle, donc avec la plus haute sécurité possible. Maintenant, avant de pouvoir donner plus sur OTRAC, j'aimerais revenir, parce que vous avez vu au départ, dès l'entente, j'ai parlé un peu de la vision du PDG. Donc, je voudrais revenir sur notre portefeuille. Ces produits-là, OTRAC fait partie d'un ensemble de plus d'une cinquantaine de produits et ceux qui sont déjà disponibles aujourd'hui, une vingtaine. Et parmi ces produits-là, nous avons déjà eu à présenter, partout où j'ai coché ici, 8 produits. Nous sommes au 9e et le 9e, c'est OTRAC ici. Ce produit-là fait partie donc de la famille des produits et marketing digital. La semaine dernière, on a présenté OTRIM et aujourd'hui, donc, nous allons parler de OTRAC. Mais avant de parler OTRAC, permettez-moi de faire un peu un pas en arrière pour rappeler ceci, pour comparer le monde Internet dans lequel nous sommes, la situation actuelle de Internet et la nouvelle situation. Vous allez mieux comprendre, peut-être encore vous allez vous rafraîchir la mémoire. En tant que fondateur, nous le savions déjà. D'abord, aujourd'hui, le modèle d'Internet dans lequel nous sommes aujourd'hui est fait de conflits, nous le savons. Il est fait de concurrence, de compétition, parfois déloyale. Nous le savons aussi, je vais vous montrer pourquoi. Et 97% à 98% des opportunités s'avèrent des escroqueries. Et souvent, c'est un gouffre Afrique, nous le savons aussi, parce que quand on obtient un produit et on veut une nouvelle fonctionnalité, un autre produit, il faut l'acheter séparément. Et quand on est aussi dans ce business aujourd'hui, il faut vendre quelque chose pour réussir ou recruter quelqu'un. En tout cas, il y a des efforts incommensurables qu'il faut faire nous-mêmes pour pouvoir réussir. Les outils qu'on obtient séparément, ça veut dire qu'ils sont davantage plus coûteux et nous allons voir ce qui est fait différent. Je rappelle tout ça là pour que vous sachiez que nous avons cette chance en tant que fondateur d'être dans un passif. Et quand on découvre des produits comme OTRAC, il est très important de rappeler alors l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le nouvel environnement qui nous est proposé par un passif, il est le suivant. Il est basé sur un bénéfice mutuel. Nous tous qui sommes là, nous allons le gagner. Nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres ou avec les autres. Nous allons avoir des entreprises qui sont créées en notre nom. C'est-à-dire, nous allons avoir des sites Internet. Et c'est à escient, ça sert à quelque chose. On sait pourquoi ils doivent être créés. Nous allons pouvoir bénéficier aussi de l'autofinancement après le lancement. Et nous allons être payer pour utiliser les produits. Tous ces produits-là, nous aurons accès et nous n'avons pas donc à nous soucier, à nous en faire. Vous n'aurez pas à vendre quoi que ce soit parce que ce sera fait pour nous. Vous n'avez pas à les recruter parce que vous allez voir, les autres cas qui vont aller traquer les clients pour nous, nous n'avons que des produits à bénéficier, à utiliser et surtout, ces produits-là sont proposés à la clientèle au prix le plus bas comparé à ce qui est fait aujourd'hui. Tout est inclus et ce sera 100% inclus là-dedans. Et lorsque nous sommes dedans, nous allons aussi bénéficier de ce plan de rémunération révolutionnaire dont le PDG a l'habitude de parler. Donc, tout ça pour dire ce que notre PDG nous dit tous les jours, la vie est différente avant et après on passe. Regardez vous-même dans quoi nous sommes et dans quoi nous allons y rentrer. Donc, voilà, OTRAC fait partie donc de ces produits-là qui a été développé donc dans ce modèle de business exceptionnel unique. Et je rappelle aussi les 4 piliers. Vous allez vous demander pourquoi je rappelle tout ça. C'est pour rafraîchir la mémoire à tous les fondateurs qui sont ici que nous avons une seule plateforme sur laquelle nous tous, nous allons pouvoir bénéficier de l'économie d'échelle qui est créée avec les produits au prix le plus bas au monde. Donc, il n'y a pas à se faire, il n'y a pas à s'inquiéter. Si on est pressé d'aller monétiser sa chaîne et consort, sachez que c'est vraiment accessoire parce que ici, dans ce modèle-là, nous allons tous en bénéficier. Alors, je rappelle le premier donc, de ces piliers, c'est les outils. OTRAC fait partie de ces 50 outils et plus en ligne qui sont totalement automatisés, alimentés par l'intelligence artificielle et qui sont orientés, qui sont nécessaires pour l'e-commerce. Le commerce en ligne, le commerce digital, d'accord, c'est tous ces produits, y compris OTRAC, sont absolument disruptifs et avec des technologies supérieures à ce qu'on connaît aujourd'hui en avance de 3 à 4 ans, voire plus
sur les produits concurrents. Ce qui amène notre PDG à dire aussi que ce n'est pas seulement technologiquement on est supérieur, mais on va avoir les produits avec la valeur au-dessus du marché. C'est important de pouvoir le comprendre et c'est totalement intégré avec à la clé automatisé. L'automatisation, c'est le deuxième pilier. Lorsque nous sommes là-dedans, et ce que je vais vous présenter, ce n'est pas que vous devez devenir un gourou de l'informatique pour pouvoir l'utiliser. Non. Tout le monde pourra l'utiliser, tout le monde pourra en bénéficier parce que ce sera 100% automatisé. Vous n'avez juste qu'à vous connecter avec une adresse email, un mot de passe, et puis vous avez accès donc à tout cet environnement uniformisé, sécurisé, prévisible, prédictible, et qui est donc, comme je disais, totalement innovant. Le langage numérique que nous allons parler, tout sera un langage universel et la technologie développée par le PDG, c'est à notre service. Il l'a fait pour mettre ça à notre service. C'est très fiable. On aura un trafic ciblé. Le trafic, c'est le troisième pilier, le trafic ciblé. Alors, pour cibler le trafic, vous allez voir, c'est là que vient AuTracker. Ce trafic, il est ciblé pour générer un flux de clients, en fait, en mode pilotage automatique. Vous n'avez pas à aller chercher les clients aujourd'hui, comme on le fait en marketing aujourd'hui. Nous allons bénéficier de cette automatisation-là. Et ça sera basé sur l'e-commerce réel, chacun ayant un site web et c'est totalement transparent avec un coût très faible. Les clients qui vont venir vont bénéficier de ça. Nous, d'un trafic organique, on va bénéficier de ce trafic organique et payant qui va donc augmenter. On le verra aussi. Et à la clé, c'est les revenus résiduels. Ces revenus, c'est le quatrième pilier. Je le rappelle aussi pour vous dire, lorsque nous sommes fondateurs, comme tout le monde ici, nous allons devenir des revendeurs et nous allons être des clients, les tout premiers clients. Donc, nous allons bénéficier de tout ce que On Passive a à offrir. Nous n'avons vraiment pas à nous en faire. Je prends cela, c'est un dimanche, ça tombe bien, parce que vraiment, s'il y a des fondateurs qui sont nerveux ou qui sont inquiets, moi, j'aimerais les rassurer. Je suis très rassuré par rapport à ce que j'ai compris donc, de ces produits. Nous allons faire partie de ce changement de paradigme, donc de ce tremblement digital qui va arriver dans le monde IT, dans le monde informatique, dans le monde Internet. Le succès, c'est le nombre, mais ce succès passif et en allant dans notre back-office, voir ce qui est créé, ce qui est innové, ce qui est mis, se rassurer et qu'on va pouvoir, alors, donc, je ne sais pas, avec toute, j'allais dire, toute confiance, ce que le PDG va nous proposer prochainement. C'était un rappel pour vous dire que AuTracker donc fait partie de ce portefeuille. Vous pouvez aller le chercher sur le site En Passant. Vous allez trouver AuTracker qui ont une valeur au-dessus du marché. Et alors, essayons d'en parler maintenant. Alors, c'est quoi en définitive AuTracker? AuTracker ici, c'est cet outil développé par En Passive pour au service des businessmen que nous sommes, donc des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, pour nous permettre de faire quoi? Pour nous permettre tout simplement de pouvoir le générer davantage de revenus. Grâce à quoi? Grâce aux clients qui viennent. Les clients qui se connectent, on va pouvoir les connaître d'où ils se connectent, combien ils sont, c'est-à-dire l'audience de ces clients. On peut voir grâce à un traceur IP, un tracker IP de l'adresse IP, on peut alors savoir qui se connecte à mon site, qui se connecte et d'où et quand et combien de fois il clique sur une page ou il clique sur un produit qui est mis en ligne. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre d'abord et c'est la première valeur. Maintenant, au niveau des marketeurs, donc du marketing digital, eh bien, il va permettre tout simplement d'améliorer le marketing. OK? Et sécuriser aussi le site Internet grâce à un outil intégré de suivi multifonctionnel qui est là-dedans. C'est ça qui fait de AuTracker un outil absolument unique. Le but maintenant est très simple. Le but, c'est de trouver à chaque instant l'emplacement d'une adresse IP dans le monde. Et vous savez que dans le passé, nous avons la plus grande base de données d'adresse IP. Et demain, donc, quand quelqu'un va se connecter à votre site, vous savez d'où il s'est connecté, quand il s'est connecté, parce que AuTracker va vous fournir des informations utiles à ce sujet-là très rapidement, librement, avec précision. Vous n'avez aucun effort à faire. Pour, donc, comme je disais, les hommes d'affaires qui sont là-dedans, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ils pourront tout simplement augmenter grâce à ça leurs revenus, multiplier leurs revenus par plusieurs facteurs. Ça peut être multiplié par 3, 4, 5, pourquoi pas?
par mille, parce que tout simplement, il n'y aura pas de limite. C'est ça, la croissance organique qui va permettre au niveau de notre clientèle. Et Otraka va aussi permettre donc, de pouvoir traquer donc, ces clients-là et donc pouvoir nous donner de l'information utile dans notre dashboard, enfin, le tableau de bord, c'est tout le mot en français, ce tableau de bord, c'est ce que les marketeurs aujourd'hui suivent pour savoir quelle est la région qui est la plus performante en termes de vente, quels sont les nouveaux clients qui viennent et quels sont ceux qui partent. Voir aussi comment la compétition, la concurrence réagit par rapport à certains produits ou par rapport à la promotion de certains services. Donc, en faisant ça, on cible alors la clientèle mieux que ce que si on n'avait pas l'outil. Voilà. Maintenant, tu me mets comme ça. Alors, maintenant, lorsque on veut savoir finalement... En fait, ton micro. Merci. Pour mieux comprendre, comme je disais, au tracker, c'est important de comprendre ces mots-clés-là qu'on va définir. Qu'est-ce que c'est une adresse IP et c'est quoi la recherche d'adresse IP ou le traçage de l'adresse IP en anglais IP lookup. Et puis, le tracker ou le traceur de l'adresse IP et son suivi, qu'est-ce que c'est? Les trois notions-là, on doit les comprendre. Et traquer ou tracer ou suivre, c'est traquer. En fait, c'est IP tracker. IP tracker qui a donné donc naissance ici à OTracker. Vous allez le comprendre. Commençons d'abord par ce qu'est une adresse IP. Alors, une adresse IP, c'est très simple. C'est l'abréviation Internet Protocol en anglais. C'est un protocole, en fait. Et ça donne une étiquette à chaque système qui a une adresse digitale, une adresse donc, qui est sur un réseau, qui a une adresse. À chaque appareil, à chaque système qui peut être connecté sur un réseau. Vous avez un réseau, vous avez connecté par exemple 10 appareils. Il faut savoir que chacun de ces appareils-là a une adresse. En tout cas, on peut l'adresser. Et vous le voyez aussi dans votre maison. Essayez-le, vous allez voir. De votre téléphone, vous pouvez envoyer désormais des images ou des vidéos sur vos télé parce que les deux là sont sur le réseau, ont des adresses IP dont ils pourront se parler. Aujourd'hui, on parle bien plus que des hommes, des machines, on parle maintenant de Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés. Les objets connectés sont par milliards aujourd'hui sur Internet et il est important en ce moment-là de bien comprendre l'adressage IP parce qu'à un moment donné, dans le passé, on est arrivé à cette limite qu'on va voir. Donc, l'adresse IP, tout simplement, peut être comparée à une adresse postale et en ce sens que, ben, elle est unique et elle est adressée de façon unique aussi dans le monde. Chaque système qui se connecte sur Internet, chaque appareil est reconnu, est identifié de façon unique grâce à son adresse. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ceux qui sont intéressés après, ils vont chercher ce qu'on appelle les MAC adresses au niveau donc, du matériel lui-même. Et arrêtons-nous seulement à l'adresse même qui est logicielle parce que c'est quelque chose qu'on peut configurer à distance ou localement. Maintenant, l'adresse IP remplit essentiellement deux fonctions. La première, c'est de pouvoir identifier l'interface du réseau duquel on vient. Retenez-le. Identifier l'interface du réseau, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, chaque réseau a un bloc ou une bande d'adresses
et on sait exactement, par exemple, l'adresse qui vient de chez moi ici, on sait que c'est de chez moi que ça vient, de mon réseau que ça vient. On peut derrière savoir aussi le fournisseur de ce réseau-là. Et deuxièmement, l'adressage de l'emplacement. Donc, on peut précisément savoir d'où vient cette adresse-là. On peut alors savoir que mon adresse, par exemple, est sur un réseau qui est en France. On peut alors contacter le fournisseur, donc de l'accès à Internet. C'est très, très important parce que parfois, il y a des implications légales là-dedans. Et juridiques, c'est très important de savoir les deux fonctions-là qui sont remplies. Maintenant, le format de l'adresse IP, il y a deux types de formats. Nous sommes aujourd'hui en train de sortir d'un format qu'on appelle IP version 4, donc IPv4. Ça, c'est le protocole dans lequel nous étions et qui faisait une notation décimale à point. C'est-à-dire, quand vous avez votre adresse aujourd'hui, c'est 172.16.254.1. Mais il faut savoir qu'au niveau de la machine, de l'ordinateur, l'ordinateur ne comprend pas ça. Ça, c'est le langage humain. L'ordinateur comprend les 0 et les 1. Du coup, donc, c'est traduit au niveau donc, de l'ordinateur. Ces décimaux-là sont traduits en binaires que vous voyez ici. Et ces binaires-là sont notés sur des blocs qu'on appelle un octet, les blocs de 8 bits. Vous pouvez les compter. Chaque bloc fait 8 bits. Et au total, aujourd'hui, on peut dire que le IPv4 est sur donc, 32 bits, c'est-à-dire 4 blocs ici fois 8. Ça fait 32 ou 4 octets. Voilà comment il est aujourd'hui le IPv4 ou IP version 4 est adressé. Mais ça a connu rapidement une limite et on est venu avec une nouvelle façon d'adresser qui est une nouvelle version, version 6. Et au niveau de la version 6, là, on est passé du décimal à hexadécimal. Et comme vous voyez ici, et là, ce n'est plus donc, des chiffres qu'on peut lire, c'est de l'alpha numérique que vous voyez. Et là aussi, on a 4 blocs ici. Les autres 4 blocs ici, peuvent être les zéros qui sont là, parfois sont omis. Comme vous voyez, le IPv6, parfois c'est omis, mais vous devez le savoir, c'est fait exprès, ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe toujours, mais c'est pour faciliter donc la lecture. Vous voyez, c'est un peu plus complexe maintenant, mais ça nous donne des avantages. Quels sont les avantages? On va le voir aussi tout à l'heure, mais commençons par IP4, qui est 32 bits, comme j'ai dit, c'est-à-dire 4 fois 8, et octet, ça fait 32 bits là, 4 fois 8 bits, pardon. Et là, l'adressage, comme vous voyez, un exemple 24.228.204.139, c'est l'adresse de quelqu'un, l'adresse IP de quelqu'un. Cette adresse-là a une taille de 32 bits, comme on dit, ce qui la limite, en fait, à un maximum de 4,3 milliards d'adresses, soit 2 puissance 32 adressages possibles. C'est très limité. Même si on ne devait donner que les adresses aux humains, nous sommes déjà, et nous le savons de par les précédentes présentations, j'ai eu à les dire, nous dépassons déjà 5 milliards d'utilisateurs Internet, donc on n'en aurait même pas assez. Avant de parler des équipements, des objets connectés que nous avons, tous les smartphones que nous avons, tous ces objets qui se connectent aujourd'hui, c'est pourquoi il fallait absolument donc passer à la version 6 de l'adressage. Et dans la version 6 maintenant, on passe de 32 bits à 128 bits, ce qui étend maintenant l'espace d'adressage à un nombre bien plus conséquent, 2 puissance 128, ce qui nous donne ce nombre-là imprononçable que vous devez pouvoir voir. C'est pour vous dire que nous avons largement donc, une palette d'adresses qu'on peut alors voir un avenir venir. C'est-à-dire qu'on peut le prévoit, il est prévisible désormais. On ne peut pas arriver comme on est arrivé avec les 32 bits et bloquer parce qu'on n'a pas assez d'adresses. Aujourd'hui, on en a assez. Donc, c'est des milliards et des milliards. Et c'est ça qu'il faut retenir, que dans la version IP4, eh bien, on était limité, c'est 32 bits. Et alors, on est venu avec la version 6, 128 bits, où on a largement de quoi attribuer à tous les objets connectés, à tous les humains qui veulent se connecter. Mais
Il ne faut pas être un expert de cela. C'est juste pour vous donner donc, l'idée de ce que c'est une adresse IP. Vous pouvez aller vous-même chercher donc, ces sources-là sur Wikipédia. Vous tapez Wikipédia en français, adresse IP, et il va vous donner toutes ces informations. Maintenant, revenons maintenant à la deuxième fonction qui est la fonction qu'on appelle IP lookup, recherche d'adresse IP. Et quand vous avez des ingénieurs qui sont sur leur serveur ou leurs ordinateurs, souvent, ils tapent souvent cette commande-là, IP lookup, pour voir quelle est l'adresse IP qui a passé cette commande-là ou qui a essayé de se connecter. Et le fait donc de rechercher cette adresse-là sur Internet, sur un système qui est connecté aussi sur Internet, pour avoir l'adresse d'une personne ou d'un système, d'un équipement, eh bien, c'est ça le IP lookup, c'est ça la recherche d'adresse. Et là, ça peut, quand vous le faites, vous allez avoir des informations, non seulement sur la personne qui s'est connectée, son IP, mais aussi de quel pays la personne se connecte, de quelle partie du monde elle se connecte. Et ça, ça aide largement pour avoir des informations. Ces informations-là sont à but divers. On peut parfois les utiliser à bon escient pour à des fins commerciales, mais parfois aussi à des fins légales, comme j'ai dit, parce que parfois on a besoin de traquer. Puisqu'il y a dans le monde du numérique, vous savez qu'il y a des trafiquants aussi, comme dans la vie en général, et souvent on a besoin de tracer ça pour savoir quels sont les mauvais, pour trier les bons de livret. C'est ça, en fait, le lookup, donc cette recherche d'adressage. Ici, un exemple, et l'exemple est pris sur whatismyipaddress.com. Vous pouvez vous-même aller donc sur ce site internet, whatismyipaddress.com. Dès que vous le tapez, il va vous dire quelle est votre adresse IP. Il va vous donner l'adresse IP en version 4. Et il va vous la donner en version 6. Et alors, derrière, il y a bien d'autres informations. Il va aussi vous donner votre fournisseur d'accès Internet, mais aussi votre géolocalisation, là où vous êtes à peu près. Et ça, c'est des informations, vous voyez, très importantes. Maintenant, sachez-le, Otraka va nous donner bien plus. Et nous verrons ça lorsque Otraka sera lancé. C'est le but. Comme vous avez compris là, il faut qu'on parle maintenant de tracking même. Qu'est-ce qu'on entend par tracking? Essayer de savoir sur les adresses IP, ça a amené à IP tracking. Maintenant, le traquer les IP, est-ce que c'est ce que OTracker va faire? C'est ce que nous devons voir maintenant ensemble. Mais quand on veut tracer une adresse IP, c'est pourquoi faire? Quand je me connecte à un site web, pourquoi c'est nécessaire de connaître mon adresse IP? Et puis, comment on fait pour le connaître? Juste pour vous dire qu'on le sait, parce que quand vous vous connectez sur Internet, à votre insu, eh bien, tout le monde est tracé. Donc, l'IP adresse là, bon, activement ou non, mais vous laissez des traces. Et donc, on peut, vous-même pouvez aller le voir, mais c'est à des fins de sécurité aussi. On peut voir d'où vous êtes connecté. Et sur cette forme-là d'adresse IP unique, on peut identifier de quel système vous êtes connecté, d'où vous êtes connecté et bien d'autres paramètres encore qui sont associés à ces deux-là, l'emplacement, le système. Et si on combine tout ça, eh bien, ça donne une information. Ces données collectées ensemble, combinées, traitées, ça va donner une information qui est utile. Cette information-là, elle est utilisée. Et partout, les entreprises, les businessmen qui veulent augmenter leurs revenus utilisent donc des outils professionnels pour tracer les adresses. On appelle ça IP tracker ou IP tracking. Pourquoi ils tracent? Pourquoi ils traquent les adresses IP? C'est pour connaître leur clientèle, la nature de leurs visiteurs, ceux qui viennent sur leur site. Pourquoi ils viennent? Quand ils viennent, quelles sont les requêtes qu'ils lancent? Pourquoi faire? Parce qu'on veut améliorer le service à la clientèle, augmenter sa satisfaction. Et vous savez que dans le business, dans le commerce, c'est la satisfaction du client qui est la plus importante. Donc, de toutes les valeurs qu'on lui donne, il faut qu'il soit content. Mais en même temps, pour l'entreprise et pour les actionnaires, c'est le retour sur l'investissement. L'investissement qu'on fait, c'est de savoir est-ce qu'on attire suffisamment de clients pour faire ses bénéfices.
On appelle ça le ROI, Return on Investment. Et c'est ça qui amène les entreprises à nous tracer, à regarder pour voir d'où on vient, etc. Mais en le faisant légalement, attention, parce qu'il y a aussi là-dessus une légalité à respecter. Donc, si quelqu'un a mon adresse IP, est-ce qu'il peut me retrouver? Oui. Si l'adresse IP est utilisée pour acheminer le trafic Internet vers votre ordinateur, on sait que c'est votre adresse IP. Maintenant, est-ce que la personne va savoir que c'est Orphée qui est derrière? Non, parce que ça ne révèle pas mon nom directement, mais je vous ai montré un exemple ici. Ça ne va pas révéler exactement ma localisation, mon adresse privée, mais ça va donner une géolocalisation, c'est-à-dire la latitude, la longitude où je suis. En termes de positionnement géostationnaire, on sait d'où l'adresse est connectée. Et c'est très, très important parce que au niveau des gouvernements, au niveau des professionnels et du marketing, ils ont besoin de ça. Si quelqu'un parvenait à obtenir maintenant mon adresse IP, est-ce qu'il pourrait en apprendre un peu plus sur mon service Internet comme le fournisseur que j'utilise pour me connecter à Internet? Ça, évidemment, quand quelqu'un arrive à avoir mon adresse, je l'ai montré. Oui, il sait qui est mon fournisseur d'accès. Il peut le savoir. Qui est mon fournisseur d'accès. Il peut aussi savoir quelle est ma situation géographique, je l'ai déjà dit. Mais pas sur moi, pas sur ma personne. Donc, au niveau de ma vie privée, ça ne sera pas touché, ni mon domicile, ni mon bureau. C'est très important. Maintenant, attention, au niveau donc, du gouvernement, au niveau des lois de protection et surtout au niveau comment on appelle ça, les lawful intercept, c'est-à-dire que les interceptions légales, voilà. Les interceptions légales, on peut retourner vers mon fournisseur d'accès Internet pour connaître précisément mon emplacement, où je suis. Mais bon, les accès pour ces informations-là, les fournisseurs d'accès sont tenus donc de garder ça précieusement, jalousement, de ne pas le partager. Ce n'est pas une information que vous aurez, c'est une information qui est obtenue seulement sur demande expresse, donc par la justice. Et vous pouvez donc être confiant que dans cet environnement, ce qui est fait est légal. Parce que ce qui est illégal, il est totalement, évidemment, interdit. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand, par exemple, on veut traquer quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, eh bien, on prend un juge et puis on donne l'autorisation et on peut l'écouter, on peut tracer son adresse IP, on peut voir exactement où il est. Et ça doit être absolument légal. Les autorités de régulation dans les pays le font. Il y en a qui font ça de façon illégale, mais ça, c'est à combattre, ce n'est pas justifié. Mais quand c'est légal, il y a les interceptions légales parce qu'on a besoin de ces informations-là pour garantir la sécurité de nous tous. Et on ne peut l'obtenir qu'auprès du fournisseur d'accès. Donc, mon fournisseur d'accès peut donner ces informations au gouvernement qui en demande. Voilà, maintenant, tout ça, vous pouvez le trouver sur soit Scan. Et là, l'adresse est ici. Elle est un peu longue. Je vais la prochaine pour la trimer. Vous pouvez la trimer aussi si vous la prenez. Et vous pouvez aller trouver donc ces informations détaillées sur le site. Alors, une fois qu'on sait ça maintenant, intéressons-nous aux principales fonctionnalités de OTRACA maintenant. OTRACA nous permet de pouvoir livrer les fonctionnalités suivantes. D'abord, planifier la géolocalisation. Donc, on peut géolocaliser les adresses IP. De pouvoir générer des rapports statistiques sur les visiteurs, sur nos sites web, ça veut dire les prospects. Donc, si on peut faire des rapports, c'est parce qu'on s'intéresse à ces prospects-là. On peut faire une analyse prédictive, donc pour savoir à peu près comment vont réagir donc, les visiteurs d'une certaine zone. Donc, on peut lancer des alertes, on peut lancer des produits d'appel pour pouvoir aussi le faire et prédire comment le marché va grandir. Et ça, les marketeurs, qu'ils soient digitaux ou pas, aujourd'hui, ils l'utilisent extensivement. On peut générer une carte de chaleur, une carte thermique et utilisateur. Et ça nous permet aussi de bien savoir là où se trouvent nos différents clients, nos différents visiteurs, donc notre trafic, comment il est généré. Les rapports aussi sur les conversions. Donc, comment
on passe de prospect à client, tout simplement. Et nous avons une géolocalisation précise, les rapports démographiques des utilisateurs aussi. Et évidemment, on a là-dedans ce que rares sont les produits qui le proposent aujourd'hui, le click fraud, donc les fraudes au clic. Je vous expliquerai tout ça dans les détails. Alors, commençons avec la planification de la géolocalisation. Ce module-là est unique. Il permet de géolocaliser dessus les adresses IP et surtout de détecter de quel pays on vient, de quelle langue, par exemple, du fuseau horaire et quand on vient sur notre site. La devise qu'on utilise, par exemple, lorsque on fait des achats et consorts, en suivant tout simplement l'adresse IP de l'utilisateur. Donc déjà là, regardez, c'est une mine de renseignements, une mine d'informations capitale pour les marketeurs et c'est capital pour nous, pour notre business. Vous comprendrez déjà, dès cette première fonctionnalité, en quoi OTracker est capital pour nos sites de mer. La deuxième fonctionnalité, c'est donc, comme je disais, de pouvoir mettre en pratique et se conformer aux réglementations donc de ces tracking-là, de ce traçage dans les pays spécifiques. Exemple, en Europe, ici, on a la loi GRPD, donc la protection de la vie privée et des données privées. Et ça veut dire avec ce système, nous pouvons nous conformer à ces lois-là. C'est aussi unique, ça nous permet de pouvoir planifier. L'autre fonctionnalité, c'est le tableau de bord, le dashboard, qui est intuitif, qui nous permet de pouvoir, donc, qui nous permet, nous, les marketeurs, ceux qui font du marketing, mais demain, ça permet aussi, au niveau en passé, de pouvoir voir au niveau de nos sites web, tout simplement, quels sont les visiteurs qui sont arrivés, de quel pays ils viennent, quelles sont leurs habitudes de clic, d'achat, de paiement, etc. Et ça permet donc à l'entreprise d'améliorer, ça permet à en passé de nous présenter à chacun des fondateurs un dashboard, un tableau de bord qui nous permet alors de suivre. Et donc, par exemple, ça aura une conséquence positive sur notre wallet, évidemment, parce que tout ça est converti en dollars, eh bien, ça a un sens. C'est ça, en fait, le but de ce tableau de bord. Maintenant, l'autre fonctionnalité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir générer une carte thermique et utilisateur qui permet de faire correspondre donc une adresse IP d'un utilisateur ou d'un client à son emplacement physique. C'est très, très important. Vous savez, il y a aujourd'hui les concurrents dans le capitalisme classique qu'on connaît, qui n'est pas à recommander. Il y a des concurrents, s'ils veulent vous faire dérailler, eh bien, ils vont vous faire des clics, des faux clics, donc les clics fraud qu'on va voir aussi. Et alors, vous allez avoir une carte qui est totalement fausse. Mais là, avec OTracker, on va avoir une carte par utilisateur, ses habitudes, d'où il vient. Et on verra alors sur une carte comme ça, là où ça se chauffe. Voilà. Les rapports démographiques sur les utilisateurs, c'est très important. C'est l'autre fonctionnalité aussi qui va nous fournir des informations supplémentaires sur la connectivité Internet, comme le type de connectivité, les informations sur le fournisseur d'accès. Et tout ça, c'est très important parce qu'on peut le lier aussi un peu aux habitudes donc d'achat et on peut alors comparer avec les autres clients leurs habitudes d'achat. C'est très important. Alors, je parlais donc de click fraud. Ici, dans OTracker, ce qui est unique, c'est que si on nous envoie un robot ou un hacker qui va vous envoyer, par exemple, 1000 clics à la seconde, eh bien, OTracker va les éliminer et va vous présenter donc là un rapport clean, un rapport qui n'a pas ces fraudes-là là-dedans. Pourquoi, généralement, les concurrents le font? Et je l'ai dit, ils le font pour dérailler leurs concurrents. Donc, vous allez avoir votre attention portée sur des faux clients, tout simplement. Et peut-être vous allez alors faire des erreurs. Vous allez lancer des produits qui n'ont pas de preneur, qui ne rencontrent pas le besoin et vous allez tout simplement échouer. Ils vous font donc échouer pour pouvoir gagner votre marché. C'est malsain, mais c'est fait. Demain, nous sommes très heureux d'avoir OTracker qui va nous signaler donc ces transactions qui sont frauduleuses, qui sont suspectes et va les enlever donc de nos statistiques pour nous présenter un tableau de bord
aux marketeurs qui peuvent prendre de bonnes décisions managériales pour pouvoir donc lancer les produits et attaquer le marché. Ce message sera très, très important pour nos clients, qui sont les grandes entreprises, les petites entreprises qui veulent donc connaître aussi leur clientèle. Et ce n'est pas fini. Il nous permet aussi ici de détecter les menaces qui sont liées à l'identité donc, et à l'habitude de navigation de nos visiteurs. Et ça permet aussi de prendre des mesures ou des décisions adéquates, adaptées à cela. Enfin, nous avons la fonctionnalité d'analyse prédictive et qui fait, on appelle geofencing aussi, la géoclôture, donc qui nous permet de pouvoir délimiter dans ces cartes thermiques, de pouvoir aussi prédire dans une zone déterminée comment notre clientèle réagit et s'adapter de façon agile, de façon dynamique, prédictive à cela. Voilà les fonctionnalités de notre OTracker qui sont, comme je le disais, quand on les combine, c'est unique parce que les autres produits qui sont sur le marché et toutes ces fonctionnalités acquérir séparément, vous vous rappelez, j'ai commencé par là en disant, dans le monde Internet aujourd'hui, vous voulez une nouvelle fonctionnalité, il faut l'acheter, il faut la payer de façon supplémentaire, tout ça inclus là-dedans pour pouvoir nous les générer dans ces clients et que nous attendons impatiemment. Maintenant, regardons les cinq les cinq fournisseurs ou les cinq meilleurs produits de traçage d'IP sur le marché. Il y a d'abord talosintelligence.com, vous pouvez aller les visiter. Et deuxièmement, il y a le Virus Photo. Il y a troisièmement IP Quality Score. Quatrièmement, le Abuser IP DB. Et cinquièmement, il y a le Scamaltics, le Scamaltics.com. Vous pouvez aller donc les voir. Toutes ces sources-là, vous allez les trouver sur Plug IT qui nous a donc offert ces données. Et on peut dire merci à Armandine qui est allée les pêcher et nous partager ces informations. Comme je le disais, nous sommes là ici pour partager. Donc, quand nous avons l'information, partager les uns avec les autres pour qu'on augmente notre niveau de connaissance et qu'on s'élève ensemble comme une famille. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait que OTracker est absolument différent des autres outils que vous avez vus? Eh bien, tout simplement parce que dans OTracker, vous voyez, c'est quelque chose qui a été développé avec de l'intelligence artificielle organique à la base. Il a été intégré, l'intelligence artificielle est intégrée dès la conception, dès la base. Il n'y a pas eu de recyclage, ce qui rend donc OTracker une solution des plus sûres, des plus intelligentes, donc dans le domaine de traçage des adresses IP et de suivi donc des clients lorsqu'on est dans le marketing digital. Deuxièmement, cet ensemble est complet de suivi d'adresses IP. Il intègre la plupart des pays, des régions, des devises, comme on a dit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est déjà dans plus de 200 pays et donc ça veut dire que nous couvrons déjà plus que n'importe qui dans le monde, dans ces régions-là, ces devises qui sont là. Et nous, en couvrant ça, eh bien, nous sommes plus complets que n'importe quel autre produit là sur le marché. La géoclôture, qui est intégrée de base, permet aussi de générer ces cartes thermiques, comme j'ai dit, et en même temps d'éliminer donc les fraudes, de les détecter, de les éliminer en présentant un tableau de bord qui est très significatif, qui est clean, qu'on peut utiliser, sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour prendre de bonnes décisions, les décisions commerciales, les décisions d'investissement. Voilà, ça c'est aussi la troisième différence capitale. La quatrième, c'est que tout ce qu'on présente, c'est basé sur le cloud. Vous savez que nous avons notre propre cloud, notre propre nuage informatique qui est basé sur notre propre centre de calcul et nous en aurons plusieurs centres. Là aussi, je l'ai rappelé, et avec une variété de fonctions de sauvegarde parce qu'au niveau de sauvegarde, nous avons une capacité de stockage illimité et ça a la clé, une sécurité intégrée aussi à la base grâce à l'intelligence artificielle. On n'a pas de souci à se faire, on n'a pas de souci donc de sécurité. C'est la toute première le fonctionnalité ou le premier attribut dans la conception globale des produits de OnPassy. Enfin, c'est très facile à utiliser, c'est très intuitif et nous avons des rapports statistiques intensifs qui sont créés et devinez quoi,
tout ça gratuitement. Alors, quand Otraka va être lancé, évidemment qu'il va remplacer donc tous les top outils qu'on a vus, les 5 que vous avez vus là, et nous allons l'adopter. C'est Otraka qui sera notre outil donc pour pouvoir aller chercher, tracer les clients, aller chercher le trafic et puis pouvoir générer des revenus. Je voudrais alors maintenant, pour finir, vous passer ce pour cette vidéo-là qui résume un peu en français ce qu'on a dit. C'est une vidéo que vous allez trouver sur onpassive-nvi.com. Donc, nvi.com, je pense, c'est ici en France et je vous invite à le consulter. Imaginez. Et si vous aviez un aperçu plus approfondi de votre clientèle? Et si vous pouviez cibler les bonnes personnes pour votre entreprise? Cela pourrait révolutionner votre entreprise. Donnez-vous les résultats dont vous n'avez jamais rêvé. Une application de géolocalisation pionnière aux fonctionnalités impeccables. Conçue pour renforcer le positionnement de votre marque. Otraker est spécialement conçu pour amplifier la portée de votre clientèle. Transformez votre jeu marketing. Suivre les adresses IP vers des emplacements physiques. Obtenez le nombre de visiteurs quotidiens de votre site web. Définissez la géolocalisation qui permet un accès sélectif. Utilisez la géolocalisation pour obtenir les détails de l'adresse IP. Surveillez la carte thermique de l'utilisateur pour suivre la densité des clics. Identifiez la fraude au clic pour obtenir le vrai nombre de trafic. Exécutez une analyse prédictive très précise du site web. Planifiez des règles de géorepérage pour gérer efficacement la bande passante. Suivez les rapports de conversion des utilisateurs pour augmenter l'efficacité. Ciblez la bonne clientèle avec le rapport démographique des utilisateurs. Une base de données de rapport de l'intelligence artificielle robuste. De vrais visiteurs ciblés via Otraker et l'intelligence artificielle. Sécurité et confidentialité. Évolutivité. Outil d'alerte proactif pour maximiser le temps de réponse. Otraker nouvelle génération, la technologie développée pour toute entreprise. Si vous avez une bonne entreprise, il est temps de changer. Il est temps de réinventer votre entreprise avec Otraker en lui donnant un nouvel avantage. Il est temps de donner à votre marque un standing grandiose. Otraker plus l'intelligence artificielle, la nouvelle façon de verser un trafic ciblé illimité sur votre site.
Voilà un bon résumé qui nous a été fait donc par passive.nvi.com. Et donc, il y a bien plus d'informations à aller chercher sur OTracker. Visitez pour cela notre site, le onpassive.com/produit-OTracker. Mais vous, fondateurs, vous avez accès au back-office. Et quand OTracker va être lancé, vous allez être les premiers aussi à l'utiliser. En tout cas, il est en bêta testing actuellement. Vous pouvez aussi le trouver sur offenders.net. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que nous sommes là pour partager, nous sommes là pour échanger les informations, pour que nous augmentions donc notre connaissance de ces produits et à vue de bien comprendre aussi ce que notre entreprise nous offre. C'est à travers la bonne compréhension de ces produits-là qu'on va mieux comprendre la valeur qui nous est offerte ici. Et moi, c'est pourquoi je me fais ce plaisir de pouvoir partager avec vous. J'aimerais dire merci pour clore à Amandine qui nous a fourni les informations qu'on a échangées durant le webinaire anglais-français. Et elle n'est pas seule. Il y a l'équipe qui est derrière. Il y a Marie Penny. Il y a ingénieur Mike. Il y a Nadou. Il y a le docteur Benny. Il y a Naka. Il y a toute cette équipe qui travaille ensemble pour pouvoir donc nous fournir aussi, partager ces informations. On peut dire, moi, je ne fais que essayer d'aller puiser d'autres dans mes connaissances ou sur Internet aussi, les ramasser ensemble, les consolider et le partager. Faites de même de votre côté aussi. Partagez si vous avez des informations. Nous n'avons vraiment pas de problèmes que les autres entreprises ont. Ici, nous sommes une grande famille et le PDG l'a toujours dit. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. Merci beaucoup. Marie-Rose aussi, ben, tu n'es plus à remercier. Tu sais exactement que ta contribution est très, très appréciée. Alida non plus. Donc, sans vous, je ne sais pas ce que je serais. Est-ce que je pourrais encore continuer à faire mes présentations? Merci pour votre contribution. Je vois qu'il y a des grands leaders et des grandes leaders qui sont aussi dans le webinaire. J'aimerais qu'ils puissent apporter aussi leur témoignage, leur connaissance et qu'on le partage. Merci. J'ai vu la grande leader là-bas, Awa, qui est là, celle qui me nomme affectueusement Bébé Katmou. Donc, j'aimerais vous donner la parole, à vous la parole. Je crois que Marie-Rose est sur mute. Merci. Eh bien, écoute, ça dépasse l'entendement humain, mais ce n'est pas étonnant de ta part, cher Orphée Lafay. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc au début, ça n'a pas été enregistré, mais je vais encore revenir sur ce que j'ai dit au début du démarrage du webinaire, de sa présentation. Chers auditeurs et chers participants, Orphel Adom n'est plus à présenter. Je vais le répéter, c'est un père de famille et chef d'entreprise, ingénieur de formation et spécialiste des nouvelles technologies d'information et de communication. Il a embrassé vraiment l'éthique on-passivienne. Il a aussi embrassé la vision de H. Moufari. L'ingénieur Orphée Adom l'a fait. Écoutez, c'est un homme visionnaire qui fournit des prestations de qualité faciles à comprendre, à la portée de tous. Un homme humble qui ne cherche pas à se faire valoir, mais qui cherche à valoriser autrui. C'est un homme de considération qui mérite notre respect à nous tous, un vrai visionnaire qui vise l'excellence. Pas d'ego en lui. Ne cherche pas à marcher sur les pieds des autres pour se faire une place. Pas d'individualisme en lui, un esprit de partage avec vision on-passive. Ça, c'est notre Orphée Lafay. On peut acclamer, applaudir cet Orphée.
on ne saura pas te le dire assez. Chaque fois que tu interviens, il y a du nouveau que moi, personnellement, j'apprends. Et chaque produit que vous nous faites découvrir, aujourd'hui, la semaine dernière, c'était Outrim, on se disait, mais c'est la finale. Aujourd'hui, c'est Outraker, on se dit, mais c'est là, c'est la super finale. Finalement, on passe, vous nous offrez que des merveilles, des trésors. Franchement, on ne saura pas dire mais assez merci à H. Moufaré, aux techniciens qui s'évertuent à travailler nuit et jour, 24 heures sur 24 heures. Pour qui? Pour nous, les fondateurs. Nous sommes des élus et des choisis, des privilégiés vraiment. Comme l'a dit notre Orphée tout à l'heure, avant de commencer ce webinaire, nous devons nous rendre compte, nous ne pouvons pas nous rendre compte de qui nous sommes en fait. Qui nous sommes? La valeur que On Passive nous offre. Et nous devons vivre et nous comporter vraiment dignement à la hauteur de cette valeur que On Passive nous offre, mes chers amis, pour faire plus la fierté de notre H. Merci vraiment, Orphée. Grand merci, grand merci. Cette petite tête, elle est pleine de choses. Ce n'est pas péjoratif, mais franchement, je ne sais pas. Le bon Dieu, maintenant, c'est l'intelligence artificielle aussi qui est en action. Comme tu es bébé Katmo, tu marches dans les traces de grand Katmo, c'est normal. En tout cas, grand merci et grand merci encore. Encore, j'applaudis, je t'applaudis, cher Orphée. Merci, chers participants, de votre écoute, de votre attention et de votre intérêt que vous portez à tout ce que nos chers amis présentateurs et formateurs nous apportent. Le temps qu'ils y mettent, l'amour. Non, on ne peut pas donner de la valeur à tout ça. Donc, soyez tous bénis. Chère Alida, alors, ce n'est pas toi qui vas dire le contraire, j'espère. À toi la parole, ma chère amie. Non, je ne vais pas dire le contraire. À l'entendre parler, j'avais l'impression d'avoir affaire à vraiment bébé Katmo. Et vraiment, le Katmo là est sorti. Merci beaucoup. Ça me donne envie de chanter comme Obinor hier, tout simplement, qui pouvait chanter Milaoué. Donc, moi, je vais juste le dire Milaoué. J'espère que je ne me trompe pas. Milaoué pour dire on va le faire ensemble. Merci beaucoup, bébé Katmo. Maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Si les autres leaders n'ont pas quelque chose à dire avant. Je ne vois pas de main levée. Je salue au passage la leader Amazon, Awa, et la leader Olga. C'est elle qui n'avait pas été saluée avant la présentation. Donc, sans plus tarder, Marose, moi, je passe le micro à Colette. Colette Nké. Bonsoir, Colette. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien, ma chère Colette. Bonsoir à toute la grande famille On Passive. C'est toujours un plaisir d'assister à cette messe de tous les dimanches. Et je voulais dire super bravo à notre visionnaire Orphée pour sa présentation. Il m'arrive certains dimanches, toute cette semaine, je n'ai pas pu lire les produits, mais je me suis dit, dimanche, je vais manger mon délicieux repas avec le visionnaire Orphée. Alors, je lui donne les mains et je lui dis encore merci, merci. Merci pour ce bravo travail d'acharnement qu'il fait tous les dimanches. Et c'est toujours un plaisir gourmand de venir l'entendre ici le dimanche. Alors, je lui dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau travail-là. Merci. Merci beaucoup, Colette. Alors, nous allons passer le micro à Nouradine. Et après, Maro, je te passe le micro pour la suite. Nouradine, veuillez réactiver votre micro. Ouais, bonsoir, cher leader. Je voudrais rappeler que les femmes de On Passive sont toutes belles. Et je vais demander à mon ami Jordi de nous faire la situation des femmes On Passive, liste par liste, pour qu'on puisse davantage les connaître. En inbox, je vais donner les indications précises à mon ami Jordi, la raison pour laquelle il doit faire ce travail.
et j'en passe. Ça, c'est une parenthèse. Orphée, vous êtes, je crois que Orphée a déjà bien compris. Et je voudrais aussi m'associer à tous ceux qui ont remercié le frère.